Comment le Brésil a pu faire ça? On ne se moque pas de Dieu. Regardez ceux qui ne croient pas en Dieu là. Regardez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est tout puissant. On ne se moque pas de lui. Regardez ce que le Brésil a fait. Ils organisent une fête rien que pour adorer le diable. Regardez, ils sont en train d'adorer le diable. Regardez là, ils ont... Regardez, on met le diable sur le trône en train de l'adorer, en train de fêter. On dit que le monde, le diable a pris le monde. Ok, regardez très bien. Regardez, continuez. Regardez, on adore le diable au Brésil. Non, vous avez pu faire ça au Brésil. Regardez quelques minutes après. Quand on vous dit Dieu est capable de tuer tout le monde, de finir, d'exterminer le monde si en quelques secondes. Regardez ce qui leur arrive. Regardez maintenant, où est le diable pour vous sauver? Regardez ce qui se passe. Ceux qui ne croient pas en Dieu, là, c'est le moment de vous lancer après avoir vu cette vidéo. Et tous ceux qui ne vont pas aussi partager et liker cette vidéo, gare à vous. Partagez cette vidéo massivement. Regardez ce qui se passe maintenant. Le diable est où pour vous aider? Quand on vous dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu insiste. Dieu le Tout-Puissant, il est toujours là. Il insiste. Ne faites rien qui va énerver Jésus-Christ. Il est trop patient, mais il peut aussi être agressif quand vous le poussez à bout. Regardez, comment osez-vous adorer le diable? Comment osez-vous organiser une fête pour adorer le diable? Regardez, regardez, où est le diable maintenant pour vous aider? Regardez maintenant, appelez ces diables. Je suis sûr, ceux qui vont rester au Brésil, les survivants du Brésil, vont respecter Dieu. Ils vont commencer à être les grands. Bon, la majorité deviendront même des pasteurs. Ils vont commencer à prester l'adoration, à prester le nom de Dieu un peu de partout. Regardez où est le diable. Dieu, où est le diable? Quand vous dites Dieu est fort, partagez massivement cette vidéo. Tous mes soeurs, frères qui sont encore dans la bordelerie, là, regardez ça et rendez-vous.